À l'heure où les chiffres du chômage explosent, il existe un secteur qui recrute, l'agriculture. Les besoins de la filière sont méconnus du public et pourtant, il existe une multitude de métiers. Vincent Rigaud, qui a repris l'entreprise familiale à Virazeil, n'hésite pas à s'entourer de compétences pour le développement de son entreprise. Nous sommes une entreprise agricole qui se détaille en trois pôles, c'est-à-dire le pôle exploitation, la base du métier, un pôle entreprise de travaux agricoles et un pôle transport, tout ça basé sur l'agriculture aussi, afin de maîtriser tous les domaines. Et nous avons besoin de personnes qualifiées, donc bien sûr des chauffeurs de tracteurs, tractoristes, qui répondent bien sûr au métier de base, les chauffeurs de poids lourds pour l'entreprise de transport, et bien sûr des postes auxquels on ne pense pas, ce sont les personnes administratives, avec quand même des personnes qualifiées, avec des notions de comptabilité, de paye, de gestion, puisque nous atteignons des tailles d'entreprise équivalentes à des entreprises industrielles, avec du management de personnel, donc tout ça est à prendre en compte. Et ce ne sont plus des simples postes de salariés de base, j'ai envie de dire, manuels. Dans le monde agricole, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas l'habitude de déléguer une partie de nos fonctions puisqu'on gérait tout de A à Z, on faisait même le travail dans les champs. Maintenant on s'agrandit, nos entreprises sont comparées, donc comme je le disais tout à l'heure, les entreprises industrielles, donc avec de la main d'œuvre, et tout ça engage une responsabilité, un suivi qui ne nous permettent pas de pouvoir tout faire. Donc il faut apprendre à déléguer et à transmettre. Donc c'est dans cette optique-là qu'on s'est renforcé dans la partie administration, gestion. Dernièrement, pour répondre à la surcharge d'activité, la surcharge administrative dont nous sommes par exemple, nous avons fait appel à candidature pour un poste de secrétaire supplémentaire, enfin secrétaire un peu plus élaboré, à mi-temps, avec notamment des notions de comptabilité et de gestion. Et ce sont des postes où on ne pense pas forcément à faire appel soit à la chambre d'agriculture, soit même à la NPE. Nous, l'agriculture, on marche beaucoup au bouche à oreille, alors que aujourd'hui, on devrait se servir des outils qui existent pour trouver justement cette personne qualifiée qu'on n'avait pas besoin jusqu'à maintenant.